Psaume 32.
Psaume 62. Sur toi.
droite me sert de soutien. Même qui pourchasse mon âme. De l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals, et le roi se réjouira en le Seigneur. Quand les menteurs auront la bouche fermée, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Au cœur du jour après jour, son salut, racontez au royaume sa gloire. Seigneur, gloire et puissance. Et rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez l'oblation, portez la nuit, adorez Dieu dans son parvis de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi. Il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que grande la mer et sa plénitude. Que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts. Du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh. Cantique de la Sagesse, page 264. La Sagesse protégea le premier homme, mon Dieu, qui avait été créé Père du monde. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Au sein de la sagesse remit le salaire de l'homme, elle les guida par un chemin merveilleux. Elle devint pour elle un abri pendant le jour et une lumière durant la nuit. Elle leur fit traverser la mer rouge et les conduisit à travers l'onde immense.
tandis qu'elle submergea leurs ennemis et les rejeta dans les profondeurs de l'abîme. Ainsi le juste Seigneur célèbre ton salut, et la cœur et l'anime chantent ta mince couronne. Car la sagesse ouvre la bouche des muets et délie la langue des tout petits. De saint Augustin au IVe siècle, la régénération spirituelle. Il y a une seule régénération spirituelle, comme il y a une seule génération dans la chair. C'est ce que le Seigneur explique à Nicodème en lui disant « en vérité, je te le dis, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Tu as en vue, lui dit-il, la génération charnelle lorsque tu demandes « Est-il possible qu'un homme rentre dans le sein de sa mère ?» Mais c'est de l'eau et de l'esprit qu'il faut naître pour le royaume de Dieu. Lorsqu'il s'agit de naître pour l'héritage temporel d'un père humain, il faut naître d'une mère. Si c'est pour l'héritage éternel de Dieu le Père, il faut naître des entrailles de l'Église. C'est par son épouse qu'un père qui doit mourir engendre le fils qui lui succédera. C'est de l'Église que Dieu engendre des fils destinés non à lui succéder, mais à demeurer avec lui. Et le Seigneur poursuit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons une naissance spirituelle. Et dans l'esprit, nous naissons par la parole et le sacrement. L'esprit est présent pour que nous naissions. La présence de l'esprit qui te fait naître est invisible, parce que ta naissance, elle aussi, est invisible. Le Seigneur ajoute en effet, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. » L'esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Personne ne voit l'Esprit, mais de quelle manière entendons-nous la voix de l'Esprit? Que retentisse un psaume, c'est la voix de l'Esprit. Que retentisse l'Évangile, c'est la voix de l'Esprit. Que retentisse la parole de Dieu, c'est la voix de l'Esprit.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à Nicodème : Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force. Comme il a dit à la bouche des saints, sur notre foi ses prophètes. Celui qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir l'enfante et de livrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et à toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix.
Te rendons grâce, Seigneur, pour notre baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle. Et nous te bénissons pour cette naissance de chaque jour, car tu nous donnes ton esprit qui fait de nous une créature nouvelle. Loué sois-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.